c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Aujourd'hui, unboxing partenariat avec la compagnie DIY Digital Art. C'est un premier partenariat avec eux et je les remercie d'ailleurs énormément pour leur confiance. J'ai choisi seulement deux produits, mais deux produits quand même assez... assez gros à diamanter. Et puis, donc, j'ai un produit pour Noël encore et j'ai, pour faire changement, choisi un produit pour la Saint-Valentin ou pour dans la vie de tous les jours aussi, là. Mais chez moi, à la Saint-Valentin, dans la semaine de la Saint-Valentin, on décore parce que j'ai une petite fille qui adore tout ce qui est décoration thématique. Excusez. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai hâte de voir. J'avais pré-ouvert là, juste le gros sac, comme d'habitude. J'ai un gros paquet ici. Et j'ai une boîte. C'est tout, ouais. Alors, je vais commencer par le produit de Noël. Puisqu'on est pas mal dans le thème de Noël ces temps-ci, évidemment, parce que ça s'en vient dans genre un mois. Alors, on va ouvrir le tout. Oh mon Dieu! Il y a plein de petits trucs. Alors, je vais sortir ça. Et je vais vous montrer. J'ai-tu lancé... Alors, petit toolkit de base, là, voyons, stylet, cire, petit plateau. Et c'est encore un truc comme le sapin, là, qui se met sur un socle comme ça. Mais là, c'est une forme spéciale. Donc, on a le socle qui est en plexi plutôt épais. Vraiment épais, solide. Et ça ici, c'est à diamanter. Ensuite, j'ai... Ah ouais! Des petites attaches dorées comme ça. Ça sent bizarre. Des petites attaches dorées. Ça, ça m'intrigue par contre. Et je vous montre cela. C'est un joli... bonhomme de neige. Il est beau, hein? Donc, vous comprendrez que c'est comme le même principe que le sapin. On entre... Je ne veux pas l'entrer pour l'instant, mais ça tient très bien. Comme ça, ça... Puis c'est grand, là. C'est vraiment grand. C'est très joli. Regardez par rapport à ma main. C'est quand même plutôt grand, là. Je vais vous le mesurer, tiens. J'avais pas mesuré le sapin, mais mettons comme au plus large, là, ça fait 20 cm par 28 et demi. Donc, c'est quand même assez grand, là. Plus le socle, donc ça fait comme un bon 30 cm de haut. Ouais. Très joli. Et il y a des trous ici. Les trous servent à mettre... J'ai ici des petits trucs à diamanter en plus. Donc, des petites cloches. Des petits pains d'épices. Des petites feuilles de gui. Et une petite, un petit bas de Noël. Comme ça. C'est cute, hein? Là, ça, ça va être... Normalement, je pensais que c'était pendu, mais... Pendu. Accroché, là, avec des petites chaînettes. Mais là, ils m'ont donné des petits fils dorés. Faudra que je vois ce que ça donne. Si j'aime ça, sinon, je mettrai du petit fil transparent, là, genre fil à pêche, là. Mais ça peut être très joli doré aussi, là. Je vais voir. Alors, on va regarder les diamants. Oh! Wow! OK!
Donc, on a des argentés, des rouges, des oranges, des verts, des holographiques. Wow! Des noirs normales, des jaunes, des blancs AB, des strass mauves, des petits très très pâles lilas, des blancs normales, des moyens comme ça holographiques, comme ça les fameux roses orangés sont très jolis. Plein, plein, plein de petites étoiles. Et ensuite, on a des petits dômes rouges, des petites pétales couleur champagne. Ah! Ceux-là, c'est des noirs normales, mais plus gros. Et des pétales roses comme ça, là, style holographique rose. Wow! Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans, là. Ça va être probablement magnifique. Et puis, évidemment, là... Oups! Je suis collée. Évidemment, je vais vous montrer ça. Soit que je vais le faire avec vous, peu importe. Je vais trouver une façon. Mais je vais vous le montrer. Alors, voilà, voilà. Ça, c'était l'article pour Noël. Donc, j'ai oublié de vous dire, là, mais les symboles, tout a l'air vraiment là, très, très bien. Mais ça, j'aime mieux en revenir là, quand je vais le faire. Donc, article de, ben, pour moi de Saint-Valentin, mais ça peut être très joli dans une chambre, peu importe où, là, dans la vie de tous les jours. C'est un objet que moi, j'ai pas vu encore. Ça a l'air le fun. Je vais vous montrer ça. Alors, les petits diamants. Oh, wow! Tout est en très bon état. Il n'y a rien brisé. OK, je vais vous montrer ça. Petit toolkit de base avec des sachets. Tadam! Regardez ça. Mais ce qui est cool, en tout cas, je pense. Faut juste que je comprenne. Comment ça marche? Bref, je vais commencer par vous montrer. Vous voyez que c'est plein de cœurs. Tout, tout, tout à diamanter. Puis ils sont séparés comme ça. Mais là, j'arrive pas à comprendre. Ce truc était supposé de tourner. Je comprends pas. Comment ça marche? Je vais regarder ici. On a comme une espèce de gros cristal en plastique, là, comme ça, avec une belle petite chaîne. Et toutes les couleurs qui sont comme dans le cœur. C'est très, très joli. J'ai deux petits anneaux. Et ça ici. Mais là, ça, évidemment, ça va aller ici, là. Hein, on s'entend, c'est très joli. Par contre, ça, je comprends pas. Comment ça marche? Attendez. OK. Qu'est-ce que si je le rentre là? C'est comme s'il manquait un trou là. Je comprends pas.
Ouais, c'est comme s'il manquait un trou. Puis ça, c'était supposé tourner. Mais là, ça va briser. Oh! Je suis déçue, mais je comprends pas. Parce que ça, normalement, là, c'est supposé de se défaire. Comme, je ne sais pas comment l'expliquer. Je vais vous mettre une image, là. Je vais aller voir sur le site, je vais aller agrandir l'image, je vais essayer de comprendre. Peut-être que c'est moi qui qui est pas vite, là. Mais néanmoins, ça va être beau, là. C'est juste qu'il faut que je trouve une façon ici, là, peut-être de... Je sais pas. Je vais étudier la chose, hein. Donc, on va regarder les diamants, là, quand même. Regardez ça. Alors, on a strass transparent, beaucoup de strass rouge, des petits roses, une autre sorte de rouge, des moyens comme jaune pâle, des un petit peu plus gros jaune pâle. Des petits moyens roses pâles, des un petit peu plus gros roses. Même chose pour le bleu, cool. Même chose pour du mauve. Et on a des jolis cœurs roses. Comme ça. Donc, c'est sûr que ça va être beau, mais il faut que j'étudie la chose. Parce que là, il y a clairement quelque chose que je comprends pas ou qui manque. donc, je vais étudier ça, je vais m'informer, puis quand je vais le faire, de toute façon, je vous le dirai. Parce que là, honnêtement, je suis un peu perplexe. Alors, ça fait, c'est très joli par contre, là. Hein? Un joli cœur comme ça, à suspendre, apparemment. Et... le joli bonhomme de neige comme ça, c'est avec le socle. C'est deux très beaux objets. Ça, c'est parfait. Et ça, on verra. Puis, c'est ça. Merci encore à la compagnie. Et puis, je vous tiens au courant là, de mes petites recherches. Puis, je me répète. Puis, allez voir le site. Il y a plusieurs choses. Il y a aussi du point de croix. Il y a évidemment du diamond painting, plein de trucs là, comme ça. Allez faire un petit tour, amusez-vous à regarder là, tous ces sites-là, magasiner les prix et tout, ça vaut la peine. Et puis, c'est ça, on se retrouve pour la fabrication, avis et réalisation de ces deux beaux projets-là. S'il y en a qui l'ont commandé, qui l'ont eu, qui peuvent m'éclairer, je vais prendre... toute l'aide nécessaire. Donc, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve. Bye bye!